Guinéennes et Guinéens, mes chers compatriotes, bonsoir. Le dimanche dernier, j'ai eu l'opportunité de me présenter à vous comme le candidat du changement à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 au compte de mon parti, le Mouvement National pour le Développement. Notre parti vous a également dépeint la personne que je suis, votre concitoyen, qui a œuvré à vos côtés, qui comprend vos problèmes et qui s'est battu à vos côtés pour apporter des solutions à la résolution de ces défis auxquels nous sommes tous confrontés. Aujourd'hui donc, je me permets de vous présenter le programme de société de notre parti intitulé « Agir pour demain ». À travers ce projet de société, notre parti sollicite l'alternance démocratique pour construire ensemble la Guinée du futur en nous engageant avec détermination ici et maintenant pour changer le quotidien du Guinéen. Car nous avons entendu votre appel au changement et nous voulons y répondre par un projet politique ambitieux qui se veut une alternative de progrès pour tous et de prospérité pour chacun. Pour le MMD, la Guinée doit être la marque déposée d'un humanisme nouveau. Ce pays doit être restauré dans ses profondeurs, réhabilité dans toutes ses composantes sociales et ethniques, réarmé moralement et remobilisé autour des grandes valeurs cardinales qui inspirent les grands idéaux du progrès. La Guinée doit être rassemblée autour des valeurs cardinales que le règne du temps ne peut effacer. Dans cette nouvelle Guinée, le régionalisme, le tribalisme et l'ethnocentrisme n'y ont pas de place. Mes chers compatriotes, le projet de notre société, projet de société de notre parti que nous vous proposons, est arrimé à la vision d'une Guinée que j'ai exprimée dans mon livre « La Guinée à cœur ». C'est la vision d'une Guinée en paix, riche de sa diversité, avec une éducation du savoir, de la compétence et de la culture, des citoyens qui naissent et vivent égaux en droits et en devoirs. Une nation prospère où l'on mange à sa faim, où l'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux soins médicaux de qualité est garanti à tous les citoyens. Des citoyens qui ont l'amour du travail bien fait, l'amour de la patrie, le respect de l'aîné et du bien commun. Un pays ouvert au monde et rayonnant dans le concert des nations avec une croissance économique soutenue, durable et soutenable par les générations futures pour une Guinée en héritage où il fait bon vivre. Cette vision, comme je l'ai indiqué dans mon livre, repose sur des principes cardinaux que sont la démocratie apaisée et les conditions du vivre ensemble pour assurer une stabilité politique et institutionnelle, l'urgence d'un agenda de transformation économique pour la Guinée du futur, la nécessité de changement de mentalité pour l'avènement d'un Guinéen nouveau dans son éthique et son rapport au travail, et l'émergence d'un leadership éclairé, visionnaire, rassembleur et transformateur. Mesdames et messieurs, pour la concrétisation de cet ambitieux programme, la concrétisation effective de cette vision, notre projet de société comporte 6 principaux axes déclinés en 30 axes stratégiques. Les principaux piliers qui sont, premièrement, l'amélioration de la gouvernance politique et institutionnelle pour renforcer la démocratie et les valeurs républicaines. Le deuxième pilier, qui porte sur le renforcement de la gouvernance économique pour assurer une croissance inclusive et verte. Troisième pilier,
le soutien aux secteurs porteurs de croissance pour assurer une transformation structurelle de notre économie. Le quatrième pilier porte sur le développement du capital humain et l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Le cinquième pilier est le développement des infrastructures physiques pour un développement équilibré et harmonieux. Et enfin, l'amélioration des conditions de vie des populations pour combattre l'extrême pauvreté. Mesdames et messieurs, voilà un programme ambitieux, un programme crédible. Je dois vous donner l'assurance que ce programme, il est finançable. Nous l'avons évalué et avons identifié les sources de financement pour permettre la mise en œuvre de ce projet qui nous permettra d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour ce peuple, à savoir l'avènement d'une nouvelle Guinée bâtie sur une économie prospère, sur une économie durable, une économie qui crée des emplois et une économie qui délivre la prospérité partagée à tous. Sur ce, je vous invite à suivre dans les jours qui arrivent le développement de chacun de ces piliers avec des propositions concrètes sur les 30 axes que nous proposons pour l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet de société. Je vous remercie.